On met la touche finale, mesdemoiselles. Cette année, les juges sont très à cheval sur l'efficacité. Alors, faites pas trop long, faites tout mignon et on pourra toutes rentrer à la maison. Ouais, on va faire ça. Elle te va vraiment très bien, Clara. Démon, qu'est-ce que tu fais en haut? Excellente question. C'est Sibyl qui m'a fait venir ici. Elle veut récupérer cette boule que je traîne partout. Et pour la première fois, j'ai enfin été capable de lui dire non. Parce que j'ai ce collier. Si tu ne lui as pas donné, je dois récupérer cette sphère de toute urgence. Elle fait partie d'une arme qui peut tuer des sirènes. Il n'est pas question que je te la donne. Je ne veux pas qu'on tue Sibyl avant qu'il ait eu le temps d'arrêter de jouer avec ma tête. Je sais pas ce qui m'arrive, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ce truc ne m'a causé que des problèmes. Pourquoi est-ce que tu me l'as donné? Ça appartenait à Elena. Merci, je suis au courant. Pourquoi est-ce que ça me fait cet effet bizarre? Quand je tiens ce truc, je ressens une sorte de vague de chaleur qui m'envahit. Et ensuite, plus rien. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu sois dans cet état? Quand j'ai renoncé à mon humanité, Sibyl a pénétré dans ma tête. Je sais pas trop ce qu'elle a fabriqué là-dedans, mais elle s'est arrangée pour que je ne ressente plus rien pour Elena. Démon, je t'ai donné ce collier parce que c'est un objet qui est tout aussi puissant, tout aussi magique, tout aussi extraordinaire que l'amour que vous partagiez avec Elena. Le fait que tu sois ici et que tu ressentes toutes ces émotions, ça prouve que quand il existe un amour aussi fort entre deux êtres, rien ne peut les séparer. Je comprends que tu veuilles te persuader de ça. Parce que dans le cas contraire, tu serais bien forcé d'admettre qu'entre Stephen et toi, il n'y a plus aucune chance. De quoi est-ce que tu parles? Stephen est redevenu le boucher, Caroline. Il tue sans l'ombre d'un remords, cette fois. Le fait que tu me dis ça à moi, ça montre qu'il te reste un cœur. Il est là tout au fond de toi, dans cette partie où tu as enfoui le souvenir de la femme que tu aimes. Il faut que tu retrouves cet endroit, Démon, que tu te battes pour elle. Sinon, tu vas passer le reste de l'éternité à essayer de comprendre ce qu'est devenu la meilleure partie de ton être. C'est à toi de décider.